En vacances en famille pour Noël, Joachim Noah a retrouvé sa mère Cecilia Rhodes ainsi que sa sœur Yelena, accompagnée de son fils, dans un endroit paradisiaque. Les vacances de Noël se passent à merveille pour la famille Noah cette année, même si l'on est loin du cliché de la montagne et des pistes enneigées. Quelques semaines après avoir retrouvé sa mère Cecilia Rhodes en compagnie de son père Yannick Noah du côté des États-Unis. Joachim Noah a décidé de retrouver cette dernière dans un endroit de rêve, le tout en compagnie de sa sœur Yelena et de son adorable garçon Noah, né en avril 2017. Pour l'occasion, la petite famille s'est rendue dans l'une des destinations touristiques les plus paradisiaques de la planète, Hawaï. C'est Cecilia Rhodes qui a dévoilé ce petit voyage à quatre sur son compte Instagram. L'ancienne Miss Suède 78, aujourd'hui âgée de 60 ans, a publié deux photos de ses vacances en compagnie de ses enfants. Sur l'une d'elles on peut voir Joachim, Yelena et Noah, qui habitent à Hawaï, faire les gros bras au milieu d'une zone très verte. Mystically Ao Valley avec les plus précieux. Rien n'importe plus pour moi, écrit Cecilia en commentaire de sa publication, mais ce n'est pas la seule photo partagée par l'ex-femme de Yannick Noah. Sur la seconde, on peut voir que Joachim prend son rôle de tonton à cœur. Prenant sur ses épaules le petit Noah, l'ancien basketteur de 36 ans est tout sourire et profite à fond de ses vacances en famille. Mes deux garçons préférés au monde. Je vous aime plus que tous les gars, ajoute Cecilia. Un message auquel a rapidement répondu Joachim en commentaire avec un joli, on t'aime aussi maman. Les Ribeiro, la fiancée de Joachim Noah, est également du voyage. Le sublime mannequin brésilien de 31 ans a également publié des photos de ce nouveau séjour à Hawaï sur sa page Instagram. Dans un si beau cadre, avec une météo des plus clémentes, pas besoin de vêtements pour se promener. Un simple bikini suffit, une tenue légère et peu encombrante qui lui va à ravir, une très belle façon de terminer 2021.